Monsieur Jonathan Lainé, bonsoir. Vous êtes sans contredit l'un des plus grands spécialistes de la question des wampum et certainement l'érudit qui peut le mieux nous décrire celui que nous avons ici. Mais avant d'entrer dans quelques détails que ce soit, pourriez-vous nous définir en deux mots ce qu'est cet objet ? Je vais prendre quelques notes si vous le permettez. Bien sûr. Alors, le wampum, d'abord. Wampum, qu'est-ce que ça signifie? C'est une abréviation d'un mot algonquin, wampumpig. C'est un mot qui signifie tout simplement une enfilade de coquillages blancs. Donc, ce sont des perles qui sont fabriquées à partir de coquillages marins. Des perles qui répondent à 4 critères environ, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir été fabriqués avec des outils de métal d'origine européenne. Elles ont une forme tubulaire et ne sont pas très grandes, environ 1 cm par 3 ou 5 mm de large. Et, comme je l'ai dit, c'est fait à partir de coquillages marins strictement. Ces perles-là ont joué un rôle essentiel dans la traite des fourrures à partir du 17e siècle. Les groupes de l'intérieur des terres, donc pas ceux qui habitaient le long des côtes, mais plutôt autour des Grands Lacs ou au sud du lac Ontario, par exemple, les Iroquois, ont été très intéressés par ces perles-là et ils les utilisaient dans leurs rencontres diplomatiques entre les nations. Ah, bien sûr, Picard. Entre un notaire, il y a comme un esprit de corps. Vous n'aviez donc pas oublié que j'étais un collectionneur passionné? Non, bien sûr que non. Comment l'oublier? Votre collection est souvent comparée aux plus grandes collections nationales, comme celle de l'Université Laval, rien de moins. Ah, je ne suis qu'un amateur bien modeste, un numismate à mes heures. Votre intérêt pour certains des objets que je possède m'était bien resté en mémoire. Ah, votre mémoire est excellente. Et si la mienne ne me trompe pas, ce wampum a été dessiné par Samuel Douglas Smith Hugh lors de son passage à Lorette en 1846. Vraiment, c'est une pièce très intéressante. Et n'est-ce pas? Je ne vous cache pas qu'il me fascine. Quelle en est donc la signification? Hugh a été muet là-dessus, justement. J'aimerais bien vous le dire. Or, le gardien des wampum qu'il a rencontré à l'époque n'en gardait pas le souvenir. Et je ne vous cache pas qu'un tel collier de porcelaine me semble être un objet hautement désirable pour faire partie d'une collection comme la mienne. Mais dites-moi, je regrette à l'avance mon indiscrétion, mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et pourquoi accepter me vendre maintenant certains de vos articles? Une affaire de famille. Une pénible affaire de famille. Mais rassurez-vous, vous ne commettez aucune indiscrétion. Ce n'est plus un secret pour personne que ce procès qui m'oppose à mes sœurs Marguerite et Claire est interminable et ruineux. Ah oui, j'ai eu vent de l'affaire. Le litige porte bien sur leur capacité de disposer des terres héritées de votre père. J'évoque Marguerite et Claire, mais pour être juste, je devrais parler de leur sapré mari. Et mes beaux-frères leur ont monté la tête. Ah, vous qui êtes notaire, je n'apprendrai pas que nous voyons trop souvent ce genre de querelle lorsque les conjoints se mêlent des questions de succession. À la mort de notre père, François-Xavier, qui était grand chef, mes sœurs et moi avons divisé à l'amiable les biens meubles dont nous avons hérité. Si ça avait été la même chose pour les immeubles. Pour faire une histoire courte, le litige repose sur le fait que mes sœurs ont voulu vendre un terrain sur lequel, à leur avis, elles ont des droits. Je m'y suis opposé, car ce territoire appartient aux Hurons et ne peut pas être vendu de la sorte. D'autant plus que la loi sur les sauvages, qui date de 1880, stipule qu'en épousant un blanc, une Indienne perd son statut d'Indien. C'est exact! Leur prétention est donc le doublement nul en droit. Sans vouloir arrêter la marche du progrès, il faut tout de même préserver certains héritages du passé. Eh bien, les résultats ne se sont pas fait attendre. Vous avez bien vu, Monsieur Lainé, ces satellites fantomatiques qui sont venus rôder autour de notre objet. Vous seul pouvez nous dire de qui il s'agit. Eh bien, d'abord, on a Cyril Tessier, un numismate, un collectionneur, mais avant tout, un notaire très prospère qui a eu une carrière excessivement longue de 72 ans. Son dernier greffe de notaire frôlait le 12 000e acte notarié. D'ailleurs, il est décédé à 96 ans, en 1931. Cyril Tessier était extrêmement riche. Il était actionnaire dans différentes institutions financières, dans des compagnies d'assurance.
Il faisait lui-même des placements. Il prêtait de l'argent à des taux d'intérêt de 8 et 10 %. Et puis, il y a aussi un intérêt marqué pour l'histoire. Il fait partie de sociétés savantes, comme la Société littéraire et historique de Québec, par exemple. Et il collectionne aussi des objets anciens, des manuscrits, des médailles. Et on comprendra qu'avec sa fortune, il pouvait négocier toujours à son avantage. Et ben, l'autre personnage, ben, c'est Paul Picard. Paul Picard est issu d'une des familles les plus prestigieuses de Wendake, une famille qui a vu des grands chefs très influents dès le 18e siècle. Son père était François-Xavier Picard, un grand chef qui était à ce point respecté et influent qu'on dit qu'il pouvait donner son opinion au premier ministre Chauveau, à l'époque le premier ministre du Québec. Les politiciens venaient le rencontrer pour avoir son opinion, son avis. Oui. Monsieur Saint-Paul? Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Émilie Maurice. En charge de la sécurité pour ce soir. Ah! Oui, enfin! Je suis rassuré de vous voir. Je ne vous avais pas vu tout à l'heure en arrivant. J'ai appris ce qui s'est passé le mois dernier. C'est terrible. On ne pourrait pas penser que ça puisse arriver dans une ville comme Québec, et surtout pas ici, au Palais Montcalm. Oh, monsieur l'aîné, vous n'êtes pas au courant. Non. Le mois dernier, le frac d'Honoré Mercier a failli être volé. L'agent qui était en place s'est fait droguer. Puis la porte de sécurité de la chambre forte a été attaquée avec des objets très spécialisés. Heureusement, le voleur a été arrêté. Voleur a été arrêté? Bravo! Mais de qui s'agit-il? Non, le voleur n'a pas été arrêté. Le voleur a été arrêté dans sa manœuvre. Ah! Parce qu'une équipe du ménage a changé son circuit à la toute dernière minute à cause d'un bridau au troisième. Oui, quelle malchance. Et pour le voleur! Mais vous, Madame Maurice, vous m'avez l'air d'une agente d'expérience. Le jeune homme qui était avec nous le mois passé, Justin Leblanc, n'était pas très expérimenté. D'ailleurs, qui aurait pu croire que le frac aurait pu courir un tel risque et faire l'objet d'une telle convoitise? Mais si j'ai bien compris, oui? Pendant toute la présentation d'octobre, vous n'avez fait que mousser la valeur de l'objet, comme dans une vente aux enchères. Non, nous ne moussons pas sa valeur monétaire, nous... Nous documentons sa valeur symbolique, emblématique. Et ce soir, vous êtes encore en train de faire la même chose avec un autre objet. Oui. Si j'ai bien regardé dans mon dossier, il s'agit d'un wampum. Il n'était pas utile de vous déplacer, M. Picard. Votre lettre était très claire. Cependant, je suis heureux d'avoir votre visite. Et j'ai pensé que, puisqu'il s'agissait d'un sujet délicat, il valait mieux vous rencontrer en personne. Attendez un peu, mettez-vous un peu plus dans la lumière. Mes yeux sont plus très jeunes, là, je ne vois plus très bien. D'où Jésus? Pendant un instant, j'ai cru voir votre père. Vous ne pouvez pas savoir comme vous me le rappelez. J'ai eu l'occasion de le visiter à quelques reprises. C'était un homme remarquable et un notaire d'exception. Et comme je vous l'ai écrit dans la lettre, je viens pour des objets lui ayant appartenu et que vous avez en votre possession. Oh, c'est l'un des wampum. Oui, oui, il s'agit bien de l'un des articles. Il est très beau. Je n'en gardais qu'un vague souvenir. Et il y a des détails qu'on ne voit que de près. Sur certaines perles, on voit des traces d'une substance rouge. Oui, je me souviens des circonstances de ces acquisitions. Triste affaire que ce procès entre lui et vos tantes. Mais il avait besoin de sous. D'autant plus que je me rappelle avoir entendu votre père dire combien lui coûtaient cher les études que vous et votre frère faisiez au séminaire de Québec. Il avait même dû se départir d'un ouvrage ancien de grande valeur pour acquitter certains frais de scolarité au séminaire. Et ça n'aura pas été en vain, hein, puisque vous voilà aujourd'hui... Homme fait et bien fait, tant de corps que d'esprit. Écoutez, Tessier, je n'irai pas par quatre chemins. Nous savons que notre père vous a vendu de nombreux objets. J'aurais entrepris ces démarches plus tôt, mais les papiers étaient restés introuvables. Oui, j'ai votre lettre ici. Vous souhaitez donc me racheter certains articles que votre père m'a vendus au siècle dernier. Vous réclamez donc un dictionnaire manuscrit français Huron, deux médailles d'argent Victoria de 1840, une médaille d'argent Georges III, deux colliers de wampum. Quelle est la place au Musée de la civilisation de la collection des Premières Nations dont vous êtes, n'est-ce pas, en charge?
Bien, c'est une collection très importante. C'est une collection qui est souvent en diffusion dans des publications, dans des expositions. Elle comprend environ 8000 objets, dont qui couvrent 3 continents. 6000 de ces objets-là sont de l'Amérique du Nord et 4000 environ du Québec, du territoire québécois. Et parmi les plus beaux morceaux de cette collection, il y a en particulier la collection Huron-Wendat. Et voilà le fameux wampum qui est ici.